quitte ce gap coulé, quitte son bon pays écrasé, quitte conséquence la divine malheureuse, catastrophique pour le pays. Eh bien, il n'y a pas un problème. Il dit, vous poussez quand même. Mais, et faut ça que nous faisons là, je dis là. Démarche qu'on fait, ou alors le diable, ou alors le vent de l'amour, ou bien 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 le ou à chercher un autre bagaille. Mais pour ça, nous ne pouvons pas faire même effort ça pour nous, car ensemble, pour nous mettre tête ensemble, pour nous capables de sauver le pays. Pour ça. Madame, monsieur, pays a causé Haïti, il y a en pile, causé Haïti en pile. Causé pays en pile. Mais toujours et toujours, le jour, nous pas suspendre avec, je vais être mesdames, je vais être coquin, il y en a clotte. Eh bien, toujours dans la situation que nous avons aujourd'hui là. Je dis, tout en tant que nous pas d'accord, que les gens qui sont contre la l'ICAMI mettent une opinion qui est en faveur, il faut accepter, il faut tolérer. Eh bien, dans ça, nous n'avons pas jamais capable de sortir là-dedans. Je dis, si nous ne mettons de côté intérêt de clan, de groupe de classe, personnel, intérêt mesquin, pour nous, intérêt pays, intérêt collectivité, eh bien, nous ne pouvons jamais sortir dans ces années-là. Malheureusement, tout ça que me dit là, c'est exercice qui est plus difficile là entre Haïtiens. Et c'est dommage que je dis après que son pays qui est divisé et que son lutte de classe qui est divisé le pays. Je parle des gens qui ont crié chaque jour. Je parle des gens qui sont attachés, qui accrochent à matin débat. Mais son douleur qui est sur l'estomac que chaque jour il y a tant de problèmes pays d'Haïti. Et assassinat président Jovenel Moïse là. Eh bien, la pente fonctionne beaucoup plus, madame, monsieur. Il y a des gens, malheureusement, comme haïtien, qui prennent plaisir. Ok? Dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Et hier matin, de deal, et encore, je vais tourner sur lui. À qui ça, assassinat Jovenel Moïse a servi? À rien. Parce que politiquement, il n'a pas changé rien. Politiquement, il n'a pas changé rien, madame, monsieur. L'assassinat Jovenel Moïse, là, il va mener un paquet d'autres bagages encore. Ce n'est pas Jovenel Moïse seulement qui a mouru pour bataille que le tap mené. Ah ouais? Il y a un autre après Jovenel Moïse qui peut mourir pour conviction. Yo. Ah ouais? Et si nous basons sur l'histoire, madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Si nous basons sur l'histoire, et si nous préférons l'assassinat, empereur pays, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, le 17 octobre 1806. C'est pas seulement Jean-Jacques Dessalines qui t'a assassiné. Ok? Complot a été fait pour t'a assassiné empereur. Mais, même complot ça, il t'a continué pour t'a assassiné tout l'autre monde qui t'a travaillé pour venger empereur. C'est là où va jouer une capra la mort qui t'est venu mourir par la suite. Où t'es venu jouer donc Henri Christophe qui t'est campé en face empereur. Pour t'assassiner, tout si là, yo estime que tu es capable de camper pour venger un pays. Si nous avons basé sur l'histoire, eh bien, c'est même bien toujours dit. L'assassinat de Jovenel Moïse, il y a l'autre monde qui peut mourir, qui a mourir après Jovenel Moïse pour la même cause. Si nous avons basé sur l'histoire. Et de fait, dans ça autant de cas parler dans la planification qui gagne, il y a des groupes qui l'a. Parce que il y a des journalistes, des analystes politiques qui ont parlé de Jovenel Moïse, qui là qui a persisté sur la question assassinat, ça a dérangé. Il y a des gens qui là, qui dans la question politique, qui étaient quoi dans le rêve président Jovenel Moïse, eh bien, comme c'est dans la même ligne, donc il faut qu'on élimine les gens. N'oubliez pas éliminer les gens. Mon pape, j'aime capable d'éliminer le rêve de toute la population. On va jamais capable d'éliminer le rêve de toute une population. Hier après-midi, après l'émission Matin Débat, on parle avec plusieurs monde. Nous recevons plusieurs appels. Hier après-midi, il y a un numéro de téléphone qui est le matin tout, qui a menacé Louko Désir. On dit nous finissons de travailler nous-mêmes. Vous avez dit que madame, monsieur, je suis en danger. Louko Désir est en danger. Je connais comme en danger. Je connais comme je vais mourir. Mais pas oublier, je vais mourir pour la bonne cause. Parce que vérité a toujours parlé ici dans l'émission Matin Débat. Vérité a toujours parlé ici dans l'émission Matin Débat. Et comme je dis, c'est une question de Jovenel Moïse. C'est une question de pays. Et je dis, si tu es Jean-Jacques Dessalines,
Si tu es un leader qui est dans dimension, un père Jean-Jacques Dessalines, il t'a pas mesure pour répéter même phrase que Jean-Jacques Dessalines t'a dit là, il t'est sorti dans le sud là. D'après ce que je viens de faire dans le sud, si les citoyens du sud ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Eh bien, je dis, dans le cas d'assassinat président Jovenel Moïse là, si tu es un leader vrai dans le pays, il t'a épousé même phrase ça. Que Jean-Jacques Dessalines te dit, mais sur la forme. D'après l'assassinat du président Jovenel Moïse, si les citoyens haïtiens ne prennent pas conscience, c'est qu'ils ne sont pas conscients de la valeur du peuple qu'ils représentent aujourd'hui. Si après l'assassinat du président Jovenel Moïse, là, je crois qu'ils ont assassiné le pays, il y a un groupe de nègres qui associent avec des criminels qui employait des mercenaires pour assassiner un président de la première république noire, madame, monsieur. Peuple haïtien, pas prendre conscience. C'est que nous pas conscients de valeur peuple que nous présentons. Parce que assassiner le président Jovenel Moïse là, la porte plus division pratiquement dans la société haïtienne. Mais pour nous pas quitter que division, craser pays à net, craser société, qu'on dimension pour nous battre pas nous. Donc, assassinat président Jovenel Moïse, je veux dire là, si nous ne prenons pas conscience comme peuple, c'est que nous ne sommes pas dignes de peuple haïtien que nous veux dire là. Nous ne sommes pas dignes de même sous sol ça. Côté que nous sommes de gourmets pour nous donner l'indépendance, pour te racheter l'indépendance, donc que du mets des colons, madame, monsieur. C'est comme ça, Mouel. Et c'est ma conviction. Et c'est ma conviction. Madame, monsieur. Jovenel Moïse a été assassiné. Mais rêve Jovenel Moïse n'a pas perdu. En tout cas, merci que nous retrouvons l'émission de débat parce que nous avons l'autre cause pour nous parler. Bonjour maintenant à tous, bonjour, c'est ça parce que nous parler comme si la guille là et puis après ça comme si. Non, on a l'émission comme nous et ça comme nous. Bonjour, Loco Désir. Bonjour, Pierre Matatout. Bonjour, Papa Haïtien. Bonjour frères et sœurs, un peu partout à travers le monde. Bonjour Haïti. Bonjour à tout le monde qui est en difficulté dans le moment ça. Chapeau bas pour petit peuple là. Chapeau bas pour président de la République là. Qui t'a gommé et qui a fessé de la terre. Lâchement assassiné par ses frères. Bonjour pays. Merci pays. Bonjour maintenant à toutes, comment vous? Bonjour, Isaïe et Luco. Et José Lexidor, mon cher, et pour Kentucky, pour moi, un homme. Et on va prendre McDonald's. On va gérer ça, c'est plus rapide. Et dans Benio, ou Benio, là, on va faire deux menons, on va faire Benio. Bon, et bien, ok. Et. Vous avez c'est pas ça, il t'a l'avant. Il t'a bien nous bien. Well, je dis à ce mardi, gros jour. Joti Jean. Et. Il y a des questions que nous avons besoin de poser. Non, je ne vais pas répondre. Si Jean pour nous poser. Les questions, Jean la met en bas, ici, c'est là. Nous ne pouvons pas répondre à Tijan parce que je ne connais pas. Même si je ne suis pas trop égaré net. Je ne connais pas. Proverbe 16, verset 7 l'a dit, moun ki kwè nan bon Dieu, qui respecte bon Dieu. Et il dit comme ça, hein. Et titre proverbe ça, c'est bon Dieu contrôler la vie des hommes. Bon Dieu contrôler la vie des hommes. Lè ou moun a vive, yon jan ki fè bon Dieu plaisir. Lè ou moun a vive, yon jan ki fè Seigneur a plaisir. Seigneur a fè ata l'edmi yo. L'edmi yo agi bien avè yo. Après pren proverbe sa pou nou ankon. Proverbe 16 verset 7 li di kon sa. Le yon moun a viv yon jan ki fait
Seigneur a plaisir. Seigneur a fait à ta l'aide mieux. L'aide mieux agit bien avec vous. Beaucoup de plaisir. Merci en pile, bien matin à tous. Et pour le proverbe du jour, donc proverbe pour ce mardi 20 juillet 2021. Nous parlons avec Editorial, avec Robinson d'Haïti. Avant de rentrer, donc, dans commentaire analyse, ce point qui est pratiquement sous table, que nous allons faire débat sur vous, madame, monsieur, donc, ce mardi 20 juillet 2021. Docteur Ariel Henry, seul à la manœuvre. Le Premier ministre, docteur Ariel Henry, rentre en fonction sans l'aide d'un président de la République. Pourtant, il existe trois chantiers à mettre en œuvre. La sécurité, les élections et le développement. Comment le docteur Henry pourra-t-il s'y prendre? Cependant, ces sujets ne sont pas à l'ordre du jour. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, le docteur Ariel Henry et le docteur Claude Joseph, sans honte, se sont plutôt amusés à se voir un digne héritier du défunt. Ils veulent continuer à supporter garant de la mauvaise gouvernance. Qui comprendra que le docteur Ariel Henry, hissé par chance à la tête de la primature, est seul malgré ses 18 ministres. Sa sollicitude le rendra probablement donc très malléable et manipulable. L'homme âgé de 72 ans n'a-t-il pas l'obligation d'obéir aveuglément au blanc qui l'a protégé de la fougue du jeune docteur Joseph, alors qu'on ne s'attend pas à des merveilles? Aujourd'hui, le pays est vidé de ses institutions. Donc, à quoi servira la troupe du docteur Ariel Henry? À piller les caisses de l'État et à détourner les fonds publics? Qui comprendra qu'il serait tellement plus intéressant de mettre en place un conseil d'État de 3 membres pour mettre en œuvre les 3 chantiers prioritaires, sécurité, développement et élection? Dans un pays aussi vide, parce qu'il est vidé violemment donc de son président, un gouvernement ne s'installe pas. On bouge, on travaille tous ensemble. Point barre. Robinson d'Haïti pour l'éditorial de ce mardi 20 juillet 2021. Donc, et monsieur d'Haïti est en contact avec nous. Donc, 44-54-57-57, vous pouvez brûler pour les commentaires et un rapport avec l'éditorial de ce mardi 20 juillet 2021. Parce que là, et maintenant, il y a 4. Nous avons une minute. Nous avons une minute. Et nous avons une minute. Aïe, aïe, aïe. Nous avons un petit bout de maille, ça. On dit rien là. Ok, monsieur d'Haïti, il est moins rapide. Et ce matin, il est le 24. Et monsieur d'Haïti, il est nous. Monsieur d'Haïti, il est le désir. Rapide, rapide. Pour nous capables de faire commentaire. Petite Dessalines. Analyser. Aïe, aïe, aïe. Donc, éditorial pour ce mardi 20 juillet 2021. Donc, dans l'émission Matin Débat. Monsieur d'Haïti, il est en contact avec le désir rapide. Ok, quand pardon, monsieur d'Haïti, a montré avec vous, Louko. Qui ça? Petite Dessalines dans le gouvernement, red, mon cher. Qui j'en parle là? Aïe, aïe, aïe. Oh. Et puis, pire au ministère, là, ministère de l'Intérieur. Eh ben, attendez, non. Ah, pays ça? Jovenel Moïse s'est quitté l'ordre avant de mourir. Monsieur? Eh oui. Jovenel Moïse quitté l'ordre, oui. Mais Sami? Puis, on va y boire, j'en tout le bagaille. Oui. Avant de mourir. Cadeau quoi, c'est, monsieur? Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue dans l'émission Matin Débat, comment vous? Bonjour, Matin Débat. Bonjour, monsieur le Codésir. Bonjour à monsieur Isaïté César. Bonjour au député Pierre-Martin Tatou. Bonjour à Josué Lécudor. Bonjour à toute l'équipe technique là, Babas, Henri, Orlando. Mm-hmm. Bonjour à toutes auditrices, auditeurs, capteurs de nous. Son plaisir pour nous ensemble aujourd'hui hein, pour nous commenter l'éditorial ça. Et qui titrait Docteur Ariel Henry, seul à la manœuvre. Donc c'est une question, est-ce qu'il est seul à la manœuvre? Je ne veux dire. Est-ce que Docteur Ariel Henry est effectivement seul à la manœuvre? Est-ce que c'est vraiment donc la réalité? Bon, c'est ça l'avait étudié là, l'avait examiné. C'est une question parce que nous connaissons le Premier ministre et Docteur Ariel Henry, il est rentré en fonction, mais pas le président de la République avec je ne veux dire, c'est lui-même qui est seul. Ça c'est le premier point. Et mais qu'on bagaille peut-être que nous allons souligner et avec le Docteur Ariel Henry. C'est que gagne 3 chantiers, je ne veux dire, pour nous mettre en œuvre. Gagne, ça veut dire la sécurité, les élections et le développement.
Donc, comment docteur Henri Pral fait pour vraiment mettre en œuvre trois chantiers ça? Parce que l'affaire sécurité est extrêmement important, je vais vous dire, pour nous arriver vers des élections, évidemment, et pour nous arriver vers un développement. Et je vais vous dire, il faut oublier tout, le peuple a très grand goût. Et on est tout, et bagaille assassinat, ça, il est vraiment éclipsé, et tout bagaille net, même et coronavirus, même affaire peuple qui grand goût, chômage, etc., tout bagaille éclipsé net. Donc, si vous avez la guerre au premier ministre, pour nous qu'on puisse aller faire un bagage qui est extrêmement important, pour répéter, c'est la sécurité, les élections aussi, et le développement, pour ne pas oublier par ça. Et que ce sujet-là, on parle à l'ordre du jour, on va parler de nous-mêmes. Et ça a noté, ouais, depuis le président et assassiné, c'est que le docteur Ariel Henry et le docteur Claude Joseph, et sans qu'il n'y ait aucune honte, l'hôpital a misé pour montrer Tétio comme héritier Jovenel Moïse, président de la République. Là. Ils voulaient porter au garant de la mauvaise gouvernance. Parce que c'est ça, il ne faut pas oublier à cette mauvaise gouvernance-là. Pays à son pays, il est mal gouverné. Donc là, les gars diront ça, il besoin de premier ministre, il besoin de ceci, il besoin de cela. Est-ce qu'ils voulaient porter le garant de la mauvaise gouvernance? Parce que ça crie de là, et sous même solitude et monsieur, en fait, le docteur Ariel Henry, pour me signaler que. Et monsieur a hissé à la tête de la primature, c'est par sens. C'est par sens. C'est... Parce que là, il n'y a pas vraiment gain occasion pour le affirmer parce qu'il y avait la fougue. Est-ce que là, on ne pourrait pas questionner en fait l'immaturité de Claude Joseph? Parce que non, son coup de théâtre, en fait, pour Claude Joseph, son coup de théâtre. Ouais, parce que son gain matin, la presse colombienne agit ton dossier. En fait, qui sont faux dossiers contre Claude Joseph. Par contre, qui secteur qui était derrière, en fait, qui était derrière. En attendant de vérifier. Non, écoutez, mon frère. Par contre, qui secteur qui était derrière, donc, ça, la presse colombienne n'a pas agité. Jusqu'à minuit, on a parlé là, c'est un faux dossier. OK? Et même si, écoutez, mon frère, même si je dis, ou t'as des questionnements sur la question Claude Joseph, est-ce qu'il implique dans la question assassinat Jovenel Moïse ou pas? Mais il est fait, c'est que il était demeuré, il était arrêté, donc le premier ministre pays a. Il a des possibilités pour le conflit international là, pour le arrêter, en fait, je dis comme premier ministre, ok, pour organiser pratiquement donc, les élections. Est-ce que là, c'est pas immaturité Claude Joseph qui fait que je dis Ariel Henry vini là, donc comme premier ministre, parce que dans un premier temps, pas de question à Ariel Henry du tout, et ou après que Claude Joseph, avec un support diplomatique, tout le monde dit, ouais, que, donc blanc, c'est. Claude Joseph que le devait supporter ou du moins ce que le devait comme premier ministre. Oui, m'a signalé pour monsieur le président, on dit bien, mais on dit là, on dit jusqu'à présent, c'est un faux dossier. C'est-à-dire en attendant de vérifier et s'ils sont faux dossiers. Parce que on connaît dans le cas d'assassinat, monsieur Jovenel Moïse, là, grand pile bagaille qui dit, grand pile accusation. Si et le docteur Claude Joseph a impliqué, c'est bien. S'il implique tout, la prince a rien, la prince a tellement rien pour le prendre, il y a puni, les gens qui ont puni. Et même ça, il y a des signes de monde, tout, il y a aussi des noms, il y a un cas d'assassinat, ça, qui peut être pas vrai, qui peut être que sont prononcés. Donc, c'est des accusations, ça fait toujours demander à nous quitter la justice, faire travail. C'est pas parce qu'il y a arrêté un monde, c'est parce que c'était non monde, dans le cas d'assassinat, ça, et puis il y a impliqué vraiment. Donc, il y a des accusations de toutes parts, à nous essayer de quitter la justice, fait travailler. On parlait de immaturité et du docteur Claude Joseph. Je pense que bon, peut-être qu'il est immature, même pas l'éthique, il est immature. Je ne vais pas priver jusque-là. Je pense que le docteur Claude Joseph fait un pile bagage. Le jour même de l'assassinat, il est en mettre la l'œuvre, il est en présent devant la scène pour faire tout ça, il est pour le faire et tout ça va bien pour le faire. Mais et dans l'autre côté, c'est un docteur Ariel Henry qui a travaillé dans plusieurs interviews au côté de lui et docteur Claude Joseph sont membres de son gouvernement. Et il travaille aussi. Le docteur Ariel Henry travaille aussi. Mais étant donné que le pot comprend et votre entrée en fonction, eh bien, il était tout doucement et puis il a travaillé tout au niveau de l'international. Et je me souviens le premier ministre. Et c'est ça, mais il faut comprendre que si je dis hein, le docteur Ariel Henry, premier ministre, il faut comprendre qu'il y a une dette. Elle comprend d'être jeune aujourd'hui, hein, parce que c'est le blanc qui le lui permet. C'est le blanc qui protégeait de la fougue. Et c'était une fougue volcanique du jeune docteur Joseph. Le docteur Joseph pas joué, il paraît devant la scène et pendant plusieurs jours, le docteur Ariel Henry était obligé de taiser le Jaudi. Donc,
Li gon det, li oblige, et le docteur Ariel Henry a obligé obéir, j'aime dire un texte là, aveuglement au blanc, parce que c'est lui-même qui protège du jeune docteur Joseph, qui était paraître et pas quitter l'espace politique du tout, parce que n'est pas de s'enfant ensemble, et le docteur Claude Joseph. Et le docteur Ariel Henry, mais il n'y a pas de gens, Antonio, qui ont géré la crise et qui était une guerre après l'assassinat de M. Jovenel Moïse. Là. Je vais dire ça privé, parce que bon, je ne pas vraiment comprendre ça qui a privé là, parce que M. a monté avec 18 ministres environ. Donc, malgré 18 ministres, liens, lui seul. Pour qui ça? Parce que le pays est vidé de ses institutions. Ce n'est pas une institution, mais c'est le vide. C'est le vide autour de nous et c'est le vide autour du docteur Ariel Henry et c'était le vide également autour du docteur Claude Joseph. Même sur la privée du docteur Claude Joseph, même quand arrivé le docteur Ariel Henry, je n'ai jamais dit à qui ça a servi troupe docteur Ariel Henry. Il n'est pas qu'à faire. Est-ce que ces mêmes dynamiques-là, piller quelques états, détourner fonds publics? Ça, il faut le comprendre parce que nous parlons vraiment de ça. Il faut aussi mentionner M. Daïti, donc que les compétences de cette classe politique aussi. Mais bien sûr. Et bon, le mot incompétence peut-être les trois fonds pour nous t'a dit, parce que nous passons. Vous devez remplacer le Bakissa. Vous devez remplacer le par l'avarisme. Il y a des gens qui sont extraordinaires dans la classe politique là. Non, mais pas qu'il soit, pas qu'il soit. Écoutez. Monsieur Daïti, pas qu'il soit de remplacer. Faut nous clair sur lui. Je dis, il y a Ariel Henry, et vous regardez le secteur démocratique là qui a plein là jusqu'à présent. Gen Ariel Henry, gen Claude Joseph. Est-ce que classe politique qui l'a tout pas responsable? Mais bien sûr. Ok. Bien sûr, mais t'es qui joue capable? Comment capable présenter? Est-ce qu'on peut présenter comme en fait une classe politique qui pas compétente ou bien une classe politique qui tellement avare du pouvoir, il a besoin de pouvoir tellement et que il y a gourmand entre eux jusqu'à ce pas 40 ans pour sur la presse Jovenel Moïse et de fait Ariel Henry qui est ça, Ariel Henry ça te produit du bleu. Blanc impose à Ariel Henry et ceci dans figure toutes les politiciennes, donc les gens qui ont fait politique pratiquement dans le pays. Alors, monsieur le Codési, ne pas regarder pour voir si c'est compétence ou bien incompétence. Ouais, la première dame, Martine Moïse, lui dit qu'on s'alimente. Il n'y a pas besoin d'un goutte dans la caisse de l'État pour obsèque national et Maril. Oui, mais c'est normal parce que, écoutez, madame Martine Moïse, pas imbécile. Parce que pas oublier, je veux dire, dans circonstances que nous y est qu'on y a là, monsieur d'Haïti. Quel que soit dollar qui dépense dans le cadre de funérailles, président Jovenel Moïse qui passait mal là, sous le docker, sous le balaguer, c'est sous le Martin Moïse, oui. Même si on secteur parallèle qui t'a débloqué un cob, ok, pour funérailles, président Jovenel Moïse, et qu'on négocie, ici, c'est dans ça au plus fort. Voilà, okay? Voilà. Parce que là, il est déjà là. Là, il est plus fort. Elle dit que lui déjà prend précaution. Martin Moïse, qu'on est. Correct. Donc, il prend précaution pour dire que, écoutez, qui ça, comme si Martin Moïse va faire un terme. Ok. Il y a un terme. On est capable de venir dans un terme, président Jovenel Moïse. Mettez l'argent dans le poche, mettez gaz à la machine, on vient dans un terme, et puis c'est fini. Ok. Payez hôtel ou payez restaurant, payez manger, venez dans un terme. Comme si Martin Moïse va faire un sac. Ok. Mais il est très prudent. Parce que s'il pas prend décision, ça. Ou t'as pas le qui gagote, ou t'as pas le fait dans le trésor public là, sous dos en thème, hein? Voilà. Okay? Sous dos Martin Moïse, et quel que soit dos là qui t'a dépensé, hein? C'est Martin Moïse, c'est sous dos qui t'a vint tomber. Décision Martin Moïse là, il révèle nous en plus de bagage. Il révèle nous parce que Martin Moïse connaît, ouais, parce que c'est première dame là, il connaît l'habitude de rencontrer, il connaît que c'est volé. C'est ça, je ne vais pas tellement parler de compétence ou incompétence, ou de la compétence volée, ou de la incompétence ou volée. Martin Moïse connaît que c'est volé, il ne dit pas prendre route. Mais comme on a dit dans le propos introductif au matin, et l'autre a l'ouvrir l'émission, on a parlé d'assassinat. Qui plus divisé les haïtiens au lieu qu'ils les mettaient ensemble. Très bien. C'est exactement ça. Mais fuck, première dame, la Martine Moïse, connaît cadavre Marilyn, c'est cadavre pas nous tous. Parce que c'est nous tous qui en deuil, c'est pays. Hein. Parce que cadavre là, c'est pour l'État lié. Fuck, Martine Moïse, la première dame, pas substituer d'être liée à l'État. C'est pas remplacer l'État. Faut qu'on ait ça tout. C'est-à-dire que nous comprenons la décision là, parce que nous connaissons en avant, bonne volée. Tout le monde qui est là dans le pouvoir, qui va organiser, qui fait comité pour faire cette nationalité, etc., qui est à connaître le volet, Mais de l'autre côté, tout, Martine Moïse comprend que cadavre, ça, son cadavre de haut niveau que le cadavre là est, et que le cadavre là appartient à l'État.
et que normalement l'État est capable de charger des obsèques nationales. Très bien. Ok, bon. Maintenant, à qui ça nous capable d'attendre nous avec justement ce nouveau cabinet ministériel, vraiment ce nouveau Premier ministre? Bon, je ne sais pas qu'on a qui ça nous a attendre nous, non, mais pas des merveilles. Pas des merveilles. Mm-hmm. Parce que on connaît nous-mêmes notre moyen pour ça. Parce qu'un pays qui vide, moi ça, son pays qui vide, mm-hmm. et pour qui ça, beaucoup plus parce qu'il est vidé, son pays qui vidé violemment de son président. Bonsoir Rosa, et puis président de la République a mouru, qui va mourir, la Kali. Est-ce mm-hmm. que nous sommes là, nous capables de prendre un gouvernement qui est installé? Nous allons installer un ministre, son directeur général. Le Haïtien qui va l'installer comme directeur général de l'économie. Moi, je l'avais dit, il va installer pour être capable de jouir des privilèges. Et c'est exactement ça. Ce gouvernement mm-hmm. qui va, qui en fait qui s'installe, c'est un gouvernement qui est installé pour pas faire. Ben, moi, dit Salvedian, l'installer, en fait, il dit, en fait, moi, dit Salvedian, imaginez-nous un gouvernement qui est installé pour le prendre les îles, pour le piller quelques états, pour le détourner les fonds publics, mm-hmm. et puis, pas faire pour le peuple. Donc, je dis à ça qui est important, c'est que nous devons bouger, nous devons travailler tout ensemble, tout le monde ensemble doit travailler, et puis, pour nous tourner. Pas gaffe avec le gouvernement pour l'installer. Et là, je voulais signaler un bagage que manqué oublié. Mm-hmm. Pour qui ça, de préférence, au lieu que nous mettions Dr. Ariel Henry, Premier ministre, pour qui ça ne pas un conseil d'État. Nous n'avons pas un conseil d'État de trois membres. Par exemple, il y a trois aspects unitaires, il y a sécurité, il y a développement, il y a élection. Oui, mais pour un conseil d'État, monsieur Daïti, donc c'est classe politique qui peut entendre sous ça. Voilà. Mais c'est pas public. Regardez, madame, monsieur. Regardez sur la table des négociations. De petites propositions à gauche et à droite. Chaque nègre a une proposition nommée. Chaque monde a une proposition. Écoutez, sur la table, c'est ma proposition qui manquait. Chaque nègre a une proposition. Et mon truc pire, c'est que il n'y a pas jamais entendu sous un ensemble de propositions ou du moins sous une proposition. Parce que chaque après aller de la soude, et bien, de fait, je dis à ça qui passe. Blanvinil décide. Et puis l'impôt, Ariel Henry, avec justement un gouvernement. Donc, écoutez, la question que l'on doit se poser là également, donc monsieur d'Haïti, en termes de régime politique, on a eu en fait un exécutif bicéphale. Je dis à un exécutif monocéphale. Est-ce que le monocéphalisme, est-ce que l'antenne coutume nous comme haïtiens? Il y a autant de questions à se poser quand même, madame, monsieur. Nous avons expérience inédite là, et ça fait nous apprécier moi-même au lieu que nous sommes premier ministre, mm-hmm. nous avons un conseil d'État de trois membres pour nous adresser les problèmes qui liés à trois axes prioritaires, sécurité, développement et élection. Mais bon, pareil, ouais, monsieur le co-désir, ouais, si le gouvernement 18 membres là, et pas des pieds ou à pied, il y a pire en pile. Parce que même si on est blanc en mode élection, comme si l'élection qu'a fait là, il est capable. Pour l'année 2021, mais ça fait carré là, mais ça fait carré fait l'argent, mais ça fait carré pied qu'est l'État. Mais bien. Donc nous, soit on est un faux filet qu'on a rentré dans le gouvernement, on va bien passer là pendant plusieurs années. Comme on va le faire. L'argent va le faire. D'ailleurs, parti politique qui gagne ministère dans le gouvernement, ça, c'est l'élection qu'il va préparer. Voilà. Donc c'est des ministères qu'il va gagner dans le pour préparer l'élection pour eux. Parce que quand même, comme le Pavel, nous allons vers les élections. Même s'il va faire en septembre, il va faire en novembre ou peut-être l'année prochaine. Mais quel que soit le parti politique là, qui est dans le gouvernement, ça, qui est ministre ou qui est ministère que l'a dirigé, c'est l'élection qui va arriver, madame, monsieur. Je vous ai dit que nous retournons encore dans la case de départ là. Côté que là, pas une question de pays qui a parlé, toute bagarre là, c'est une question d'intérêt personnel. C'est combien de copes que je fait. Qu'est-ce que je vais gagner okay, pour me capable d'exister économiquement. Mais c'est dommage pour le pays. Et ça crivait là tout, monsieur le co-désir. Ouais, et les bambos, ça finit. Parce que du suite, nest là, les bambos, je vois le bonjour. Bambos, ça finit. Bambos. Nous voulons, ouais, qui reste président Jovenel Moïse, de qu'on parle là, est-ce que le suffit pour tout le monde? Est-ce que tu restes, Reban Baptiste, frère? Est-ce que tu restes? Qui te reste dans mes présidents journal Est-ce que le suffit pour tout le monde? Qui te reste dans mes présidents journal Moïse, est-ce que le suffit pour le monde? Est-ce que le suffit pour tout le monde? Bon, bah, parce que c'est pas le encore. Son tigas qui t'est rété. Non, ou clair, ou clair, monsieur Daïti. Parce que Jovenel Moïse, son tigas qui t'est. On tire. Et c'est sous tigas là, n'est-ce pas boumé là. C'est sous tigas là, y'a boumé là. Et sous tigas là, boumé. Est-ce que tigas Jovenel Moïse qui t'est, il suffit pour tout, fauve ça yo. Voilà. Merci en mille, monsieur Daïti. Merci en mille, Kébé. Merci infiniment, monsieur le président. À demain, matin débat. Merci en mille. Matin débat, ou qu'il doit pas rien, nous. Mais, seul bagage, c'est que dans matin débat, la bonne vérité. Ou qui doit parler mes vérités ya? Et l'on parle mes vérités, c'est attaquer ou décider donc attaquer ma télé. Nous avons un problème qu'on attaque. Hier après-midi, je recevais deux appels. C'est deux numéros de SIM card parce que je retourne en appel. Yo,
et puis c'est SIM card. OK? Des monde qui a fait menace. Même Dieu n'a qu'a fait menace, ou même fait menace. Mais c'est rivé bien. Et m'a dit ça aujourd'hui nous même capitaine d'émission à télé débat, la vie m'en danger. Pour ça la vie m'en danger, un groupe de monde là qui comprennent que en fait bataille Jovenel Moïse t'a mené comme président de la République là. Monsieur un monde qui a ramassé bataille ça. Et peuple a comprendre parce que les on vient dans la rue, il y a autant de matin débat. Et puis il commence à regarder et dit faut ouvrir le collège. Écoutez madame monsieur. Je dis il faut nous garder qui ça qui là comme bataille. Mais il a tout entré dans point hein. Premier point qui est sous table là qui c'est Haïti politique, c'est confirmé. Le docteur Ariel Henry devient le nouveau premier ministre haïtien. Le secteur démocratique et populaire très mécontent. Quel est donc l'avenir des prisonniers politiques nous trouvons entrer là-dedans, madame, monsieur. Je vous dis, c'est pour question de Jovenel Moïse. Quel que soit l'élément de la classe moyenne qui connaît parcours ça, parce que parcours Jovenel Moïse là, c'est pas que ça me fait tout moi-même. Et c'est pas que ça me fait ma tout fait. C'est pas que ça un paquet de garçons qui. Je dis, on sortit en province, qui vient dans la capitale là, qui vient étudier, et qui a cherché, une place au soleil, au niveau de la capitale haïtienne, madame, monsieur. Et quel que soit l'élément de la classe moyenne qui fait parcours ça, ou pas gagner l'autre conviction, que travail pour classe ça, il est capable de jouer lui-même tout, donc place lui, donc au soleil. Et là où il y a conviction ça, pas qu'on Kenjian pour pas faire face avec l'oligarchie, madame, monsieur, parce que l'oligarchie, je dis, hein, faut voir, en dans l'oligarchie, on veut des progressistes, également des conservateurs. Laissez-moi vous dire une vérité, madame, monsieur. Et nous t'ai dit l'émission matin débat, et puis matin, tout insisté sur lui. Société haïtienne, non, t'es déjà en société divisée. Parce que le fossé est trop grand entre la classe possédante et les gens qui sont pauvres dans le pays. Le fossé est grand. Malheureusement, les gens qui gagnent l'argent dans le pays, ils sont petits groupes. Ils n'ont pas jamais rendu compte de ça. Que ils sont en danger. Parce que un seul matin, cette classe minoritaire, la classe des masses, depuis le David, j'ai regardé. Qui est-ce qui a regardé? Il a regardé les gens qui gagnent l'argent. Et ça fait de temps en temps après que nous-mêmes qui parlons de radio, des leaders politiques, nous avons jeté de l'eau tout le temps. Mais pendant combien de temps nous sommes capables de continuer à jeter de l'eau, madame, monsieur? Donc en fait, vous pouvez dire que la société a été divisée. Et l'assassinat du président Jovenel Moïse, écoutez, d'après nous-mêmes, nous pensons que le peuple n'a pas compris. Mais nous avons déjà, c'est moins que descendre dans la rue. C'est matin de bac descendre dans la rue. Donc c'est nous qui attendons. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, madame, monsieur? Avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, le peuple a commencé à comprendre que quand paquet de monde, que le secteur bourgeoisien, hein, l'oligarchie était utilisé, l'establishment était utilisé, ok, pour diaboliser le président Jovenel Moïse, mettez en tête yo, des bagailles, qui gagne rapport avec le président Jovenel Moïse, et après l'assassinat, la population vient comprendre que c'est menti, bah oui, et que c'était une manipulation. C'est le premier bagage. C'est-à-dire que là, nous avons question de bataille de race là et de classe là. Yon ti nèg noir qui sont en province, qui vient là, qui vient avec des réformes, et puis qui gagne un paquet de fauves, un paquet de manitou qui campe en face de lui. Et li goumen, li tevle goumen, li dilap goumen, jusqu'à ce que li vin jwenn la mol à partir d'un assassinat que jusqu'à présent enquête cap mené. Et à ce stade, personne pas capable et allons dire retirer responsabilité présumée de ces millionnaires, de ces multimillionnaires, de ces bourgeois, de ces oligarques. Personne. Parce que la lutte que Jovenel Moïse t'a mené, c'était une lutte en face Mounsayo, qui t'a fait des milliards de dollars par année, et qui, à travers des tweets que vous faites en pile fois, toujours attaquait Jovenel Moïse, et Jovenel Moïse toujours rétorquait lui-même pour l'attaquer au tout. Claire. Donc ça veut dire que je dis là, si on a qu'à mené, au pire au niveau, à côté de la CIA, à côté de la DEA, à côté de FBI, fuck yo mené enquête au niveau de la bourgeoisie haïtienne. Mais c'est clair, mais écoutez, madame, monsieur, mais faut ouais vidéo.
Et... écoutez, l'homme d'affaires doux que lui-même l'a mené au bataille, il y a un combat, il y a un combat. Et puis, quelques jours après, le président assassiné. Écoutez, madame, monsieur, vous ne pouvez pas mener enquête sur madame Mitan. Ti malheureux qui fait partie de la police nationale d'Haïti, non? Et ou pas quand même enquête en même temps, ti malheureux qui fait partie de l'IGPN, yo. Et il y a eu toujours cette connexion de la classe bourgeoise. Et ça qui est toujours à chercher une façon pour que mieux protégé par les Américains. Toujours un lien qui existait entre ces bourgeois et ces grandes instances américaines. Et écoutez, écoutez mon frère, qui est en fait qui c'est le garant des intérêts de ces Américains? Ah oui. Le garant de ses étrangers, madame, monsieur, qui est-ce qui garant intérêt, yo? Le garant de leurs intérêts, c'est ce, justement ces gens-là, en fait, du secteur économique. Et le crime! Parce que c'est eux-mêmes qui n'ont commerce, c'est eux-mêmes qui n'ont business. Le sénateur américain pour des business en Haïti, là-bas, qui est-ce qu'il peut-il? Eh bien, nous connaissons l'hypothèse. Voilà! Pas comme maintenant, tout l'hypothèse. Non! L'hypothèse, ben, on monte dans le secteur privé qui est déjà dans le business, il a l'avantage, et lui-même, il garantit que, avec influence politique, lui, il fait pression sur le gouvernement pour libérer Edouard Nabouli. Et puis, qu'on y a, ou après, on est dans le secteur privé, il y a un back-up politique. À l'aise. Le connaissez, avant d'arriver, ce matin, l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse, a été planifié, organisé, dans quatre pays. Et où est l'implication tout? Les États-Unis d'Amérique. Où est l'implication? Floride. Fort Lauderdale. C'est clair, c'est clair. Saint-Domingue. Clair. Tout près nous là. Colombie. Nous connaissons pile nèg bourgeois qui est business là-bas. Et qui tout traverse à l'autre bois. Clair. La Colombie et Haïti. Et Haïti. Donc ça veut dire que. Pas aucun, aucun bagage là que tu as fait président pas mourir. Écoutez, madame, monsieur. Elle dit que je dis, il faut faire très attention. Malheureusement, ti nèg, nous sommes tous des imbéciles. Cocorate même. Malheureusement, ti nèg, nous sommes tous des imbéciles. Parce que j'ai dit, pig ou ennemi, l'oukodezi, il y a un petit nègre. Ou bien son petit nègre. Malheureusement, petit nègre, c'est imbécile, nous. Parce que nous ne sommes pas jamais nègres pareils, nous. Et la bataille qui est là, justement, pour qu'un pays en otage, là, on comprend que encore, c'est nous-mêmes, petit nègre, qui est utilisé pour qu'un pays en otage. Ok. Et nous dit la matinée, madame, monsieur. Comment nous sommes capables de nous, pour assassiner le président Jovenel Moïse, là, pas diviser société beaucoup plus. Mais pas l'homme que elle. Parce que je dis là, mais des parti sur les loco. Ouais, je dis là. Ouais, je dis là. Et ça c'est ça, information. Ben maintenant toute information. Population qui est en connaît. Dans secteur bourgeois également et secteur des affaires, monsieur Mulatio. Qui est-ce qui bon mulat, qui est-ce qui bon bourgeois, qui est-ce mauvais bourgeois, qui est-ce mauvais mulat? Oh. Il déjà connaît bien maintenant tout. Parce que je dis à Gédémoun qui fait partie de ce secteur ça bien maintenant tout. Comment déterminer mauvais à mauvais? Mauvais à mauvais, c'est justement nèg qui fait partie de la bourgeoisie et de classe mulette là, je dis à dans le pays qui c'est papa mafia, qui c'est petite mafia et qui n'est mafia. Et c'est yo toujours dit qui compose avec des petits nègres pour craser le pays. Peuple là connaît yo. Mais peuple là connaît tout. Qui est ça donc qui bon? Et que papa a sorti bien loin, qui vient travailler là dans le pays. Qui goumé en pile, qui gagne business, qui kembe business. Et qui vive en peuple là presque chaque jour. Qui n'est là à boire dans Fatra. Et qui toujours descend dans le peuple là. Peuple là qu'on est, ça fait jeudi. On est goussé mieux là, tous ces bourgeois. Ou dit que Haïti pas pays où, mais on utilise Haïti pour capable d'exister, pour faire l'argent. M'pas bon menti. Haïti a pouvé porter pour vous. Haïti a pouvé porter pour vous. Mais, faut qu'on ait tout que jeudi. Depuis ces méchants qui ont fait pays, ça on pèle quand même. Il y en a qui sont bourgeois, qui sont mulattes, ou bien qui font partie de cette classe d'affaires, qui connaît que Haïti a son passage lié, que là, quand on est à ces classes, on casel, on pèle quand même parce que le peuple a connu. Parce que le peuple a connu très bien qui est dans le mythe en nous, qui travaille dur, qui le fait le matin bonheur, qui fait business, et qui va même des chances que peut-être l'autre nègre qui fait partie de classe bourgeoisie, ça, qui fait partie de mafia, qui a fait toute qualité mauvaise action dans le pays. Ok, peuple a compte tout. Puis quand pense que je dis, peuple ici n'a pas gardé nous. Puis quand pense que je dis, peuple ici n'a pas compte qui ça allait. Peuple ici n'a pas compte un leader que le café confiance. Parce que depuis 1946, peuple ici c'est un bluff que le prend. Regardez ce qui a passé dans le dossier réel, madame, monsieur. Elle dit que ça qui là, il y a plusieurs dimensions. Une dimension sociale, en question raciste, en bataille de classe et de race et de fait. L'assassinat du président Jovenel Moïse, il en ligne ça, on bataille de classe, de nèg qui gagne l'argent, et puis qui, je dis à camp en face, on s'y nègre, qui veut porter changement dans le pays.
eh bien, ils ont assassiné, ils ont mangé à ces premières dimensions. Deuxième dimension, c'est une dimension politique. C'est une dimension politique. Eh bien, qui sera passé là, je vous dis là. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Si on parle, on a parlé. Et si on ne parle pas, on a quitté l'émission ça. Ariel Henry vient pour le ministre hier. Dans la figure André Michel là. Ariel Henry, docteur Ariel Henry, premier ministre là. Dans la figure André Michel. Dans la figure Yuri La Tortue. Dans la figure Nenel Kassi. Il faut dire. Dans la figure Ronny Colin. Pardon, Jovenel Moïse, pour une mourir. Cadavre très fort. Ok. Pendant que Jovenel Moïse assassiné. Ariel Henry, premier ministre, madame, monsieur, dans la figure. Monsieur, dans l'opposition. Et c'est douloureux pour toi de matin, André Michel qui a plaigné. Ou t'en des secteurs démocratiques qui a plaigné. Ou t'en des équipes qui a plaigné. Ou pas qu'à plaigné. Parce que si t'es un plan réel, si ou nous t'es une alternative, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous parlons de la situation pour nous plaigner. Faut t'y caper. Nous t'en prenons pouvoir automatique. Faut t'y caper. Les Bleus débarquent. Les Bleus débarquent. Vino rond avec Joseph Lambert. Avec Claude Joseph, avec Ariel Henry. C'est Mandel Mandel Negio pour venir avec Joseph Lambert. Pour un fond magaï. Voilà. Mais yo, bon, yon fait ça. Yo pas Blé Lambert. Yo dit Blé Lambert. Ah. Yo dit Blé Lambert. Nous pas de cabane les paroles là. Ah, mon cher, nous connaissons. Yo entre dans tout. Oh oh. Les jours matin, m'a dit ici, en un matin, m'a dit. Dossier sénateur Lambert à quoi qu'on côté. Ah oh. Nous pas de cabane les paroles là. Oh oh. Mais c'est encore. Messieurs, dames, secteur opposition, Kal Taïseb, en papier. Joseph Lambert. Oui. Oui. Kounia, tout le monde perdu. Yo, tout perdu. Oh, tout perdu net. Yo, tout perdu. Oh, oh. Okay. Et je dis à peuple là, donne, Michel a dit, nous mettez moun dans la rue. Oh, comme ça, peuple. La rue, qui va s'appeler là encore là. Donne, moun secteur opposition, abdou que, oh oui, nous va prendre la rue. La rue. La rue. Nous va aimer bébé. Bon, oui, nous connaissons pas bon motif. Bon, le quoi? Pas une nekan d'aller, Nicolas. Nous va aimer bébé. Bon, nous connaissons. Bon, nous connaissons. Pas une nekan d'aller là. Oh. Bon, ok, ouais, c'est pas. Nous allons où là, t'es coupé, madame, monsieur. Où là? Ne fasse du rivière, ne pas qu'à pouvoir, et puis qu'on a demandé peuple en complet pour la rue. Qui ça? Fait qui ça? Lugo, hey, Lugo, Lugo. On ne peut pas attendre nous. Lugo, fait qui ça? Ok, Lugo, bon, tu vois, comme si, hey, nous prenons le baron avec micro là, pour venir mobiliser le peuple là. Qui va ça? Qui ça? Qui va le temps de tout? À la dérade, d'autres, monsieur. Écoutez, ça. Qui est-ce qui va le temps de tout? Oh. Et c'est là pour vous, elle là tout. Oh, mais c'est dommage. Il va gaboter, mon cher. Je dis, c'est dommage. Et Ariel Henry, docteur Ariel Henry. Oh oh. Et c'est l'émission Matin Débat qui parle avant matin. M'espère que moun gap responsable qui responsable et communication équipé. OK. Moun qui responsable de communication pour docteur Ariel Henry. Moun qui na politique avec docteur Ariel Henry. Ministre qui mort, qui est victime? Le peuple haïtien. Clair? Parce que je dis à qui ça passe, madame, monsieur. On a regardé qui quantité de jeunes garçons, jeunes femmes qui sont en prison. Qui quantité de jeunes garçons avec jeunes femmes, maman petite, qui perdent petite, qui mourent dans la bataille, ça. Et en fait, regardez, on a été quoi, Nel Belize, qui a pris en prison là pour le secteur démocratique là. Premier démarche, premier bagage là, je dis à pour docteur Ariel Henry, c'est libérer prisonniers politiques. Parce que madame, monsieur. Madame de cloche. Écoutez, mon frère. Madame, monsieur. Toute bataille ça, pendant 4 ans, en face président Jovenel Moïse. Mais je dis à lui assassiné, il mourit. Et puis l'opposition quand même pas qu'à prendre pouvoir. Mais c'est dû. Ça grave, oui. Fait deux mois là qu'on a. Et c'est dû. Ça grave, nous qu'on a dit. Libération, fait deux mois. Et c'est dû. Et fait deux mois là qu'on a dit, je vais me permettre dans tout. Pour prisonniers politiques, si on a une libération, c'est si l'opposition ça a pris pouvoir. Mais voilà que l'opposition pas qu'à entendre ni entre eux-mêmes. Et puis Blanc vient là, les poissons à Ariel Henry. Pour voir Terry. Maintenant que Ariel Henry comprenne que Jotia faut libérer prisonniers politiques. Madame, monsieur, ce n'est pas normal. Pendant 4 ans, regardez quand il y a des gens qui partent quitter le pays. Pendant 4 ans, madame, monsieur, regardez qui quand il y a des gens qui partent quitter le pays. Pour question de pays lock, pour question de manifestation, pour question de choukaï. Regardez qui quand il y a des gens qui font l'affaire, qui sont obligés de quitter le pays. Madame, monsieur, pendant 4 ans, regardez qui quantité de monde qui mourit dans le pays. Regardez qui quantité de monde qui mourit dans le pays pour une bataille politique entre l'opposition et le président Jovenel Moïse. Madame, monsieur, pendant 4 ans, regardez qui quantité de monde qui décapitalise les questions qui d'habitude. Regardez qui quantité de monde, madame, monsieur, qui décapitalise les questions. Attendez, non, frère. Attendez, non. Moi, c'est Mdando.
Attendez, non, mon frère. Gardez-moi. Ok? Gardez qui est-ce que madame, monsieur? Que kidnapping décapitalisé. Gardez qui est-ce que qui perd du business? Gardez qui est-ce que madame, monsieur, pendant 4 ans? Qui mourit dans la question kidnapping, dans la question insécurité? Madame, monsieur, gardez qui est-ce que jeune garçon, jeune femme qui est en prison pendant 4 ans en bataille politique entre l'opposition et le pouvoir? Madame, monsieur, gardez qui est-ce que gentil qui pas qu'à vivre dans le pays? Parce que yo perdu tout à fait pour une question de bataille politique. Et puis jodi a oui gagne qui courir tout qui quitter qui coucou qui dépay madame monsieur. Mais tout ça c'est au prix de quoi? Pour faire qui ça? Opposition pas jamais qu'après le pouvoir. Et vous, mais jodi encore Jovenel Moïse assassiné. Li parle encore. Et parmi là derrière donc que si Jovenel Moïse parle jodi a demain matin après sécurité dans pays a pas que kidnapping madame tande yon gap donc que kidnapping n'a pas le commencer a dit que son pas produit. Comment le bien madame monsieur? Elle dit que nous pas qu'à continuer faire ça en pays. Il y a 6 mounis qui kidnappé là, il parle de ce maintenant. Ah, allez mon frère. 6 mounis. Elle dit que nous pas qu'à continuer faire ça en pays. Grand père madame qui l'emmène là. Non, mais actuellement. Le père Francis. Actuellement là. Oui, allez la voir. Comment le bien madame monsieur? Allez la voir. Nous pas qu'à continuer faire ça en pays. Kouna pour les gars, ok, Ariel Henry, yon va dans Ariel Henry, ok, et puis qu'on y a, yon pas qu'à attendre pour yon te mettre un gouvernement sous pied, et puis blanc et posé Ariel Henry, qu'on y a douke. Il va faire manifestation pour nous commencer à même bagarre encore. C'est pas possible. Manifestation. On va pas besoin d'un pays. Non. Quand est-ce qu'on gonfle venir à l'élection? Nous pas besoin d'un pays. Quand est-ce qu'on gonfle venir à l'élection? Nous pas besoin d'un pays. Non. Joseph Van Gessouli, nous pas prendre ça dans pays. Si on vient loco avec l'idée faut passer maintenant conseil électoral là, pas de problème non? Nous pas de problème. Mais dis où elle fait la manifestation? Non, écoutez mon frère. Quand est pour poste? Pays a pas pris ça encore. Écoutez mon frère. Pays a pas pris ça encore. Il y a besoin de transition 2 ans. Et puis, n'est-ce pas parler de peuple qui ça? Il y a besoin de peuple qui ça? Transition 2 ans, il y a besoin. Pour faire qui ça? Pour faire qui ça? Pas de problème pour aller dans la transition 2 ans. Mais faut te montrer qu'on est capable de pouvoir. Oui. Faut te montrer qu'on est capable de mettre un gouvernement de transition sous pied. Ou pas capable. Parce qu'on n'est pas entendu. C'est avant, oui, n'est-ce pas? Ils font un petit bail à mettre sous papier. Ils font un petit bail. Et puis, il y a deux pages. Deux pages. Nous avons dit, madame, monsieur, je veux dire, il faut nous garder tête dans le pays. Attendez, Loukou. Les prisonniers politiques. Loukou. Que Ariel Henry, docteur Ariel Henry, penche sur ça le plus vite possible. Libérer prisonniers politiques. Correct. Loukou. Madame Komodeni, sans battre table qui caché, oui, avant et dimanche. Vous êtes une baisse, hein? C'est un rap. Regardez, Loukou. Madame, nous courons, regardez. Oh, pas de zoom, on prend pour tout, oui. Bon, ça, un grand bouquet. Regardez. Militant crasé, oh, n'est-ce pas pour courir, Loukou? Mon frère. Patrice Dumont prend coup. Esaïe. Non, pas Esaïe. Il faut aider nos militants. Regardez, mon frère. Faut Jovenel Moïse t'a assassiné. Ok? Pour nous dire, dimension, nest avec femme qui a fait politique dans le pays. Qui est-ce qu'on est dans le poche comme premier ministre? Camille Chalmers. Il y a Camille Chalmers dans le poche. Dans le poche. Problème. Madame Komodeni. Problème. Il y a Camille Chalmers dans le poche comme premier ministre. Problème. Et puis, il y a un bon lot de monde dedans. Qui part au courant du bail ça. C'est pas possible, madame, monsieur. C'est pas possible. Et puis, s'attendez à tout l'homme. C'est pas possible. Comment imaginez aujourd'hui hein? Aujourd'hui, a fait 14 jours. 14 jours, le pays n'a pas gagné président. Et le pape qui est président jusqu'à l'élection. Et le pape qui est président jusqu'à l'élection. Vous avez dit ça. Qui est plus gros soufflette que l'international dans la cabane, nous, là, aujourd'hui. C'est ce que décide le blanc. C'est ce que décide le blanc. Écoutez, madame, monsieur. Pas bien, non? Depuis l'air, ça possible, vous c'est pas possible. Nous dit, mais ça blanc décidé. C'est pas possible. Blanc dit, arrangez quand nous, monsieur Joseph Lambert. Allez organiser avec parti politique. Yo, jouez plus parti que possible. Vous avez Joseph Lambert, coup de fil, appel, maille, rencontre. Yo même encore capté. Vous pouvez côté Lambert. Yo même encore capté. Vous avez pièce dans Lambert. Oui. Nous ne pouvons pas dire là, ici, dans le débat. Mais c'est eux même encore capté, calta et zèbre, bas pied, sénateur Lambert. Quel pote est-il pour ta blanc? Est-ce qu'on continue de construire, madame, monsieur, nos pays, nous ne sommes pas capables. Là, dit que nous avons une situation là à trois dimensions. Dimension sociale, parce que là, go éclate. Madame, monsieur, tenez, non, je vais me dire nos bagailles. Pas le éclatement, oui, là. Nation matin débat, c'est nous qui avons vidé de l'eau. Pas le éclatement. Parce que le peuple, aujourd'hui, il y a un cahier que l'a fait là, il a pris note. Aïe, aïe, aïe. De qui est dans le secteur privé hein, qui bon et qui est dans le secteur privé hein, qui pas bon. Dans le moment, je parle avec nous là. Sous question assassinat, président Jovenel Moïse. N'a songé matin débat, t'es parlé. N'a songé matin débat, t'es parlé. Peuple a gonkaye là, l'a noté.
qui est dans le secteur privé, dans le secteur bourgeoisie, qui est bon et qui est si pas bon. Et y a bay du, il y a bay faut manger dans le pays là. Il y a bay faut manger. Faut manger. Oh, on prend deux tiris, chargé veille. Oh, quand on t'était louco, sorti là, on va le traîner la justice là. Sorti là. Oh, qui tu es là? Dis mon cher. Mais qui n'est-ce pas? Ah, dis bon goût mon cher. Sorti là. Oh, on va le traîner la justice là. Et deux tiris, on prend verre. Dis bon goût chargé veille. Oh, deux tiris. Et ça y est. On va y avoir. Dis bon goût chargé veille. Il y a ma chef vendu. Pourri. Comment dire bon goût chargé vert? Oh, bon dieu. Retirez, retirez vers sous vert, retirez vers sous vert, retirez vers sous vert. Ça passe. Eh bien, pas connaît. Eh bien, pour connaît. Moulin à chèvre quand même. Ah, ah. Dire vert, il y a poussé là. Ah non. Bon. On sait les bon bail pourri là avant de payer là. Vous savez, madame, monsieur. Mon zègle d'eau. Nous avons payé tête en bas. Pas que de personne qui a vu une boîte à la pour Suzanne. Ok? Je veux dire, écoutez, payez à déboussoler. Ou t'es un régime politique avec un exécutif bicéphale. Ça veut dire le, la présidence et la primature. Je dis, à, madame, monsieur, eh bien, jeu politique a fait dans le pays après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Eh bien, ou gagne un régime politique avec seulement la primature. Donc, le monocéphalisme, est-ce que ça a rentré dans la coutume nous? Je ne sais pas, non. Est-ce qu'on a un premier ministre qui peut gagner un président provisoire? Qui l'a pour faire l'élection? Est-ce que nous avons besoin? Est-ce que nous besoin d'arriver là? Connais que c'est international là qui a dit où? Mais ça pour faire. Et, bah, qui j'ai opposition pour le battre maintenant pour dire que nous prenons la rue? Vous connaissez? Ah, pour payer, pour peuple qui a pas pendant 4 ans, où tu prends la rue, il prend la rue, où tu le casse, où tu le casse, où tu le déchouque, le déchouque. Et puis, vous là, malgré le président Jovenel Moïse, assassiné, ou pas capable de pouvoir toujours parce qu'on va vous montrer où? Avec l'autre équipe, pareil où? Et puis qu'on y a pendant le dou les tranchées là et pour pas dire peuple ça encore un bon arrière dans faire manifestation. Ah non, ah non, cher Joseph Lambert, mes amis, cher Joseph Lambert, m'attendez papa pas besoin ça qui campé qui la ganache devant blanc j'ai danger, il dit blanc élection pas possible dans 6 mois. Non, cher Joseph, et puis même côté à blanc dit mais pas problème, et puis monsieur Ariel Henry dit blanc n'a fait élection. Écoutez, la machine est déjà en marche. Écoutez, Ariel Henry a peut-être plus intelligent dans quel sens? Ouais. Il dit qu'on a l'élection va faire en septembre. Et pas privé. Privé qu'on a l'élection va faire en 90 jours. Voilà. Est-ce que le président privé a l'élection va faire en 90 jours? Non. Mais il te dit qu'il a fait l'élection en 90 jours. Et. Aïe aïe aïe. Et Nèk Jean Charles, premier ministre, alors, d'alors, t'es qu'à venir président après président privé. Il était président après président privé. Et puis, Nèk Jean Charles. Dis président privé, il n'y a pas de coup ça, et puis il faut continuer. Ouais. Madame, monsieur, ouais. Comme si nous regardons, docteur Ariel Henry, c'est imbécile lié. Non, là, petit blanc, justement. Oui. Élection, là, on a fait dans 3 mois. Maintenant, les 3 mois arrivés, là, après, elle montre une capacité pour une élection faite sur le plan technique. Claire. Il va demander l'autre extension de 3 mois. Joseph Lambert. Okay? Joseph Lambert est tombé parce que les 3 et comme tu as dit, 3 sincères. Les 3 sincères. Ah, monsieur Claire. Ouais, monsieur Declaire. Et ouais. Techniquement, vraiment, ouais. Moi, avant, nous comprenons. Élection, si les gars font élection là, l'élection l'obéit. Bon, ça va dépendre, nous regarder pour nous, parce que va oublier que KIP a travaillé là. Maintenant, dépendamment de qui est-ce qu'on va changer de KIP, hein? Ok? Parce que ensemble de travail que vous faites, vous parlez tout simplement, vous considérez. Maintenant, si nous parlons d'entre nous, on a fait des 4, fait 4, changer 4, c'est ma log. Non, pas comme ça. Là, nous parlons faire élection encore. Élection, c'est pas KIP. Ouais. Oui, c'est pas KIP. Élection, ouais. C'est le pays. Le pays, bien, bien. D'abord, le bien pays. Bien. Maintenant, condition. Oui. C'est créer conditions. Voilà. Ouais. Élection, sécurité. Responsabilité, c'est créer conditions, j'ai déjà dit. Mais il faut que le peuple a déjà prêt pour élection. Ou même si j'ai eu un ouais, mettez, ouais, ça me le doula. Maintenant, si le pays a même, si pays a même, c'est quand on sont maladie. Si pour y prendre un médicament, vous avez fait. Ou pas quand il campait pour. Oui, mais permettez à tout. Il y a des règles là, même si l'élection dans 5 ans. Dans 10 ans. Il va bien barrer. 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 Il va descendre pas. Mais c'est pas dans le cap, j'aime pour l'élection. Non, mais il va descendre. Ok, maintenant tout, vous êtes d'accord, madame, monsieur. Il va descendre pas. Ça qui est là comme classe politique, est-ce que si on parle d'élection, ça veut dire pas qu'il y a l'élection, le pays a pour ça. Ah. Parce que je veux dire, maintenant tout, peuple a paré pour le voter, mon bal là. Oui.
La population paraît là pour changer la classe politique qu'il a, pour changer le personnel politique qu'il a. Il paraît. Mais condition qu'il n'a pas réuni. Condition pas réuni, c'est ça, pas lui. Mais ça nous dit à Fonté de Condé Lidoui. Gombon nègre là, qui n'a pas classe politique là. C'est le Condé là, oui, oui, pour arrêter. Et à terre, pour arrêter. Pour arrêter. Pour arrêter. Moun à l'élection pour Haïti pas capable ça combien jamais gagner une campagne élection c'est comme il besoin faire mais normalement mon frère gagner une qui besoin un titre qui était candidat moun à l'élection pour n'importe bagage oui ça dit que gagner une qui toi une élection c'est pas connait mais gagner qui connait pas jamais gagner même non oui mais comment il prend l'élection en tout cas nous va gâter ça tout nous va propose non écoutez bien c'est là toute cette question dans le pays, l'élection et que parti ça dit pas la donne, et bien l'élection pas la donne. L'élection faite. L'élection faite. Eh bien, écoutez, l'élection c'est payé. L'élection est sans doute. L'élection est pour bagarre en grand monde. Oui. Depuis le pays a préparé, il y a sécurité. Il y a sécurité, mon frère. Eh bien, l'élection faite, mon frère. Parce que bon bagarre, on va pas là. Ou à moins bien doucement, bon bagarre commandé. Ouais. Ou bien en consultation qui méritait un pile cob. Ça veut dire son consultation ou bail là. Yeah. Qui vaut un pile million comme toujours mais maintenant tout et il n'est qu'à bail consultation qui peut-être mouille pauvre demain parce que pas nos pays sérieux c'est vrai son paquet son gros consultation bail là mais c'est clair l'immigration président politique si effectivement gouvernement ça qu'à peine paraît d'ailleurs Ariel Henry connaît tout le monde Ariel Henry connaît tout écoutez si docteur Ariel Henry voulait faire capital politique ok. Et pour le cas, c'est flanègue opposition net, c'est libérer prisonniers politiques. Parce que. Et puis mettre sécurité. Parce que de si opposition était pour pouvoir permettre dans toute. Consultation. Il n'était pas obligé de faire libération prisonniers politiques. Comme ils ont même entré, ils ont goûté, ils n'ont pas qu'à prendre pouvoir jusqu'à ce que Blanc impose Dr. Ariel Henry. Maintenant, Dr. Ariel Henry, s'il libère prisonniers politiques, son forme ou son lot, automatiquement, Babo Manti l'a déjà. Bon, avant sous monsieur opposition qui va prendre du mal pour rebondir. Docteur Ariel Gonzam, il est en prison là pour politique. Et qu'est-ce que c'est? Anel Belize. Oui, Anel, c'est pas monsieur. Non, écoutez, premier bagage pour faire là. Il y a des gens qui va bien premier bagage pour Docteur Ariel faire là, premier bagage pour faire là, c'est libérer le monsieur politique. Parce que je dis à madame, monsieur. Gros consultation. Monsieur, je dis à madame. Comment un débat? Comment dire population, je dis à là, c'est pas un débat que vous attendez. Et nous-mêmes, nous matin débat, nous ne pouvons pas faire de camp, nous un pays. Et c'est douloureux aujourd'hui pour voir que le secteur démocratique a plaigné parce qu'il n'est pas arrivé pour pouvoir, même après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et je dis à tout qui je peuple là-bas, le secteur démocratique, ça, qui va demander à la population pour prendre la rue, pour faire manifestation, pour déstabiliser le docteur Ariel Henry. Écoutez, madame, monsieur, je ne sais pas qui non. Il parle très laide. Parce que si vous faites 4 ans, madame, monsieur, en 4 ans, on a tout perdu. Nous perdons business, nous perdons le monde, ni le monde qui mourit, ni le monde qui partit quitter le pays, ni le monde qui est en prison. Nous perdons l'économie du pays, madame, monsieur. Nous perdons la souveraineté en plus. Nous perdons l'image de sur le plan international. Et dans la même bataille, ça, nous perdons le président. Mes amis, il y a un minimum de conscience pour nous prendre. Moi-même, je connais Mbappé Banouanti. Ou qu'a décidé tout yem. Mais pays a songé que ou tout yem ou connaissez parce que m'a défend nos causes. Parce que m'a conviction. Pays ça, c'est nous pour sauver. Vous écoutez, matin débat. Ou qu'a tout yem de matin. Ou qu'a tout yem de matin. Mais vérité, m'a tout parlé ici, même ce matin débat. Parce que pays ça, m'a pas nous mentir. Il y a trop de vagabondage qui a fait sur lui. Nous fait trop de vagabondage à pays. Et je dis, ou tout yem Jovenel Moïse. Écoutez, vous pas qu'à tout yé rêve li. Ou qu'on combien de Jovenel Moïse qui vient d'air. Ou qu'on combien de Jovenel Moïse qui est en route. Bien que, Jovenel Moïse te fait un repal. Mais qui vient là comme Jovenel Moïse là, faut qu'il soit douce, faut qu'il soit modéré. Faut regarder ça qui est bon et tout, en fait.
faut le mettre main à tout le monde parce que Haïti c'est pour nous tous liés. Ou pas capable de caser business au secteur pour retirer business ça dans mes secteurs ça pour aller dans l'autre secteur. Non, ou pas capable de jouer. Ah oui. Mais en termes de conviction, que je dis, on est qui fait partie de la classe moyenne sur le plan économique. Ou pas qu'à grandir, pays a besoin de 40 000 Jovenel Moïse, madame, monsieur. N'a pas besoin de retourner. Ou qu'à tout le monde, oui, on met tout le monde. Ok? On met tout le monde. Mais pas oublier. Population, pays, ça va bien oublier, tant qu'on nous dit, c'est pas les vérités. C'est vérité, on a tout parlé sur le matin débat. Parce que pays, ça a. Il y a trop vagabond dans le pays. Il y a trop vagabondage dans le pays. Il y a trop désordre qui fait dans le pays, madame, monsieur.